Hola et bienvenue au Chili, je commence mon trip à La Serena, qui est une ville au nord de Santiago. Et l'idée là, ça va être de monter toute la côte ouest jusqu'au point le plus au nord du Chili. Et évidemment, je vous emmène avec moi au fil de mes découvertes, en direct, en total impro. Alors la réserve de Humboldt, c'est une réserve de pingouins, mais aussi on peut voir plein d'autres animaux marins, d'autres animaux sauvages. Alors j'espère que je vais en voir et j'espère que je vais voir des dauphins parce que j'en rêve et j'en ai jamais vu. J'ai vu mes tout premiers pingouins. Franchement, c'est trop mignon. Ça donne envie d'en avoir un chez soi. Mais je pense que pour la protection des animaux, ça le fait pas trop. Je pense qu'il faut les laisser là où ils sont. Mais n'empêche que c'est mignon. Voilà, ça donne envie de faire des câlins. Il y en a même un, il a lâché une crotte énorme devant nous comme ça. Ça, c'est signe de bienvenue. Je vous le dis, c'est obligé que ce soit ça. Et sinon, depuis le début de l'excursion, ça sent la fiente d'oiseau, hein. C'est génial. Sauce blanche illimitée, les gars. C'est pas comme dans le kebab. La petite balade dans la réserve Pinguinos est terminée. Et en fait, ça se dit pingouin, enfin ça se dit pingouin en anglais, mais apparemment c'est des manchots. La meuf qui n'a rien compris de où elle va. Pas de dauphin en vue, malheureusement mon rêve se ne réalisera pas aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Mais par contre, c'était quand même super sympa de voir tous ces lions de mer, ces oiseaux et ces pinguinos. Olé! Et me voilà maintenant à Iquique. Je vous avoue qu'après 17 heures de bus, la seule chose dont j'ai envie, c'est de prendre une douche. Alors je vous retrouve tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous même, plus fraîche et plus disponible. Et ça y est, fraîche et dispo pour aller explorer la ville. Bon, je viens de débarquer dans le port de Iquique et il y a des lions de mer comme ça posés tranquillement. Moi qui me disais que j'allais en voir seulement à la réserve de Humboldt, et ben en fait non. C'est vraiment big ces créatures, hein. Oh, c'est énorme. Bon bah clairement j'aime bien Iquique, hein. C'est l'ambiance plage, soleil, surf,
ambiance vacances en fait. Il y a un petit truc que j'ai acheté tout à l'heure. Je rentre à l'hostel et je vous montre ce que c'est. C'est ça, des chumbeke. Je pense que ça se prononce comme ça. Je suis pas encore super sûre, pas trop à l'aise avec l'espagnol. C'est une spécialité du nord de Chili, alors je vais goûter ça en direct. J'espère que c'est bon. Alors qu'est-ce que ça donne ? C'est bon, c'est un gâteau. Il y a une sorte de citron dedans avec du miel, j'ai l'impression. Et ça fait un peu pâte feuilletée. C'est bon, c'est pas le truc le plus ouf du monde, mais c'est pas mal. Allez, chumbeke validé. Surtout que c'est bien, tu vas me durer plusieurs jours. Ça y est, il est temps pour moi de quitter la ville d'Iquique. Mais avant, j'ai un dernier truc à vous partager. Iquique, c'est un super spot de parapente. Alors bien sûr, je me devais d'essayer. Je vous laisse avec les quelques images et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tout va bien? Tout va bien? You are sure? Huh? Really? Okay.